Sani Léa, à Limoges, en position de leader national pour l'organisation du transport sanitaire, a largement contribué au flux de malades de la Covid-19 entre régions. Alors aujourd'hui, Sani Léa, c'est 700 établissements de santé qui utilisent la plateforme SpeedCall. C'est plus de 4000 sociétés de transport sanitaire qui font partie de notre communauté également pour assurer les transports de patients. Et c'est 1 million de transports de patients en 2020. Il n'y a pas un jour où on n'a pas un patient, un transport de patient qui est positionné sur la plateforme SpeedCall. SpeedCall est le dispositif développé par Sani Léa. Il permet du début de la chaîne, la prescription, en passant par l'établissement visé et jusqu'au retour au domicile du patient, d'avoir pour tous les intervenants les données sécurisées en temps réel. Exactement, donc c'est une plateforme numérique, digitale. On digitalise le parcours de soins du patient, en tout cas plus du soin, surtout le parcours du transport du patient. Et donc effectivement, on a cette cohérence des informations qui est transmise à l'ensemble des acteurs. Ça a eu un effet découverte, surtout ça a renforcé le besoin de digitalisation de ce parcours. Ça a montré que d'avoir cette traçabilité, cette efficience, cette redistribution automatique a été quelque chose qui permettait d'être plus pertinent en termes d'organisation. Donc partout où on était déjà déployé, ça a facilité l'organisation des transports de patients. Agence Digitale, l'entreprise durant la première année de la crise Covid-19, a fait preuve d'agilité, notamment avec le télétravail. Le télétravail a été mis en place sur la quasi-intégralité de l'entreprise. Néanmoins, on est des experts de la digitalisation, mais de l'humain par l'humain, donc ça enlève quand même une partie d'humain, donc on aime bien revenir au bureau pour travailler, mais ça n'a pas été des difficultés majeures.